Il y a une église au Gambie. In Gambia. Oui, Gambia. Gambia. Yeah, we are grateful for those who are supporting us. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui nous soutiennent. And we thank God as we continue to do the will of the Father. Et nous continuons à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Today again we are having the house a minister elder and Andrea Boyer and Elder Dimitri Boyer. Aujourd'hui dans la maison nous avons l'ancien Dimitri et l'ancien Andrea. They are a couple, a couple that God set aside for the work of the kingdom. Un couple que Dieu a mis à part puissant pour son royaume. With a special assignment. Avec un devoir précis. For the family. Pour les familles. And we were blessed, as I said yesterday. Et comme je l'ai dit, nous avons été bénis. Today we will hear another blessed message. Et aujourd'hui encore, nous allons écouter un autre message. By the servant of God, who is with us today. La servante de Dieu qui est avec nous. They both are here. They Les work deux together. Sont là et travaillent ensemble. They will bless us. Ils vont nous bénir after this, après cela, we will go home, nous allons aller à la and maison come back for a party time. Et nous revenons ce soir pour notre gala. I don't know about you, je ne sais pas vous concernant, I prepare myself to enjoy mais moi, life. Je me suis préparé pour se jouir, Because se jouir after de this la vie. Life, parce qu'après cette vie, there's eternal life. Il y a la vie éternelle. There, I don't need suit. Je n'ai pas besoin d'une veste. I will have one robe, white robe, j'aurai clean. Seulement un seul robe. One, but shine by the power of the Holy Ghost. Brillant par la puissance de Dieu. But here I have to enjoy life. Mais ici je dois me jouir so de la vie. When we finish church here, alors pendant que nous allons finir après those l'église, who will come for our dinner this afternoon, et ceux qui vont venir evening, pour notre soirée, it is for couple, yeah. It's for lovers. It's for lovers. Yeah, not just couple, lovers. Yeah, those who love. Exactly. I will still have more love. Amen. Yeah. So we will meet here in the afternoon. Et nous allons nous rencontrer la soirée. At 6 o'clock. 6 o'clock. Yes. Yeah. So nobody will say, Pastor. No. Alors personne ne dira que Pasteur, je ne savais pas. We'll meet the other side. Nous allons nous rencontrer. Without further ado, I will call this wonderful couple. Alors sans plus tarder, je vais inviter ce couple merveilleux. They are servants. Ils sont des servants. And they are writers. Et ils sont des écrivains. Yeah, of beautiful books. Des livres merveilleux. This is the latest one. Ça, c'est le dernier livre qu'ils ont écrit. Such an outstanding book that I recommend somebody to take one. Un livre que je vous demande que quelqu'un prenne le temps de le prendre. They will bless us. Ils vont nous bénir. Without further ado, please can we Alors, clap sans plus tarder, est-ce qu'on peut les acclamer as we welcome pendant couple. Que nous les accueillons ce matin. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Good morning. Bonjour. Good morning. I just want to say first of all that I'm really blessed. We are blessed to Je veux dire, nous sommes bénis. We are blessed to be here in the company of all the beautiful families of Nous sommes bénis d'être en compagnie de cette belle famille ici. I greet the first family, Pastor Daniel. Je veux d'abord remercier la première famille, Pastor Daniel Diele. All the pastors, et all tous the les pasteurs, elders, tous les anciens, all the ministers, tous les ministres, all the ushers, et tous les protocoles. I greet you in the mighty name of Jesus. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus. I thank you so much for your ministry because we were touched when we were actually worshiping. Merci également pour votre ministère. On a été touché lorsque vous fêtiez le ministère. Really blessed. Vraiment béni. Today I'm not going to be the speaker. She's going to be the speaker, but before she speaks. Aujourd'hui, je ne prêche pas, mais c'est elle qui va prêcher. But before she speaks, I would like to just briefly introduce her. Mais avant qu'elle ne prêche, je voulais juste l'introduire brièvement. Yeah. Yesterday, during our session with the families, at one point, there was a person who asked a question. It says, Hier, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la réunion qu'on a eue. Why is it important for men to talk to their wives? Pourquoi est-ce important pour les hommes de parler à leurs femmes? I gave an answer and I asked for everyone to come back today because I wanted to actually further expound on that answer. Et je voudrais répondre à cette question. Beside what I do for God. Je suis un homme d'affaires à côté de ce que je fais pour le Seigneur. And I travel a lot. Et je voyage beaucoup. Sometimes I go to countries I've never been to before. Quelquefois je vais dans des pays où j'ai jamais été. And I bring only two things, my passport and all the documents they asked me to bring. Et je n'apporte que les documents qu'on me demande d'apporter comme le passeport. But I remember this particular trip.
Mais je me rappelle d'une chose. I went on the street with one document in my hand. Je suis allé avec, dormir avec un document entre mes mains. This document was for a very specific minister I was supposed to meet. Et ce document, c'était pour quelqu'un que je devrais spécifiquement rencontrer. I had only 48 hours in that country. Et j'ai eu 4 heures dans ce pays. 24 heures. Yes. And I brought one document with one person's name. J'ai eu un document avec le nom de quelqu'un dessus. As soon as I got in the country, they mentioned to me that quand je suis arrivé dans le pays, ils m'ont dit there's a transition. Qu'il y a une transition. This minister is no longer going to be minister. Et ce ministre ne le fera plus. But the next minister, nobody knows who he is. Et le suivant, personne ne sait où il est. There was a gentleman who knew who the next minister was going to be. Et il y avait un autre qui devrait être. Yeah. So they took me to the minister in waiting. Et on m'a amené chez le ministre qui était en attente. He didn't know who he was going to be minister, but he spoke to me. Et on ne savait pas qui pouvait le faire, mais il m'en a quand même parlé. So they mentioned to me that the document that you have brought must be switched. Et on m'a dit le document que tu as amené doit être changé. So I spoke to my people in Canada, so they switched the document. Et je parlais à mon peuple au Canada et ils ont changé le document. They sent it to me. Et ils m'ont l'envoyé. But unfortunately, because I was in a country where I'd never been before. Malheureusement, parce que j'étais dans un pays où j'ai jamais été. After one or two trials, Gmail blocked me completely. Et après un premier essai, Gmail m'a bloqué. All my accounts were blocked. Everything et tous was mes blocked. Comptes étaient bloqués. It was 12 o'clock in that country. C'était à midi dans ce pays-là. I was surrounded by people looking at me, saying, "You know what?" J'étais avec des gens qui m'entouraient. We need that document. Et on dit, on a besoin de ce document. And I look, I say, it's 12 o'clock. Je leur ai regardé, je leur ai dit, il est midi. My team, they can help me, but everybody's sleeping right now. Mais mon peuple peut mon équipe peut m'aider, mais maintenant tout le monde dort. It was 12 o'clock in that country. C'était midi dans ce pays-là. And 4 o'clock in Canada. Et 4 heures du matin au Canada. 4 o'clock in the morning, yes. 4 heures du matin au Canada. I see it's my wife calling. J'ai pris le téléphone, c'est ma femme qui appelait. And I said, but baby, it's 4 o'clock in Canada. Why are you not sleeping? J'ai dit, ma fille, ma chérie, c'est 4 heures du matin. Pourquoi tu ne dors pas? The answer was, et la réponse était, I was sleeping. Et je dormais. But I sensed that you needed me. Mais j'ai senti que tu avais besoin de moi. I sensed that you needed me right in this moment. J'ai senti que tu avais besoin de moi maintenant. I looked at the people around me. J'ai regardé les gens à côté de moi. And I started crying. Et j'ai commencé à pleurer. I said, there are things that people can do for you. Il y a des choses que les gens peuvent faire pour vous. There are things that your friends can do for you. Il y a des choses que des amis peuvent faire pour there vous. There are things that your business partner can do for you. Et aussi que tes partenaires en affaires peuvent faire pour but vous. But there are things that only your wife is able to do because she's going to do to go the extra mile. Et il y a seulement une chose que juste ta femme peut faire parce qu'elle peut faire un pas au-delà. When everybody else is sleeping, quand tout le monde est endormi, the Spirit of God spoke to her. L'Esprit de Dieu lui a parlé. And say, wake up. Et dit, réveille-toi. Your husband needs you. Ton mari a besoin de toi. And it was so à propos. Et c'était juste à la bon, au bon point. So amazing. C'était vraiment étonnant. And because of that, et à cause de cela, I want to publicly say, et je veux publiquement dire, you are tu es the heart of a good thing for me. Tu es le cœur d'une bonne chose pour moi. I thank God for you. Je dis merci au Seigneur pour toi. As a minister, pendant que tu fais le ministère, le service, just know that your husband, juste reconnais que ton mari, will be interceding over there. Il sera juste en train d'intercéder, and praying, and covering you, et te couvrir. Amen. 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 Can I have somebody join in and say hallelujah? Quelqu'un dise hallelujah. Can I have somebody join in and say hallelujah? Quelqu'un me joigne, dise hallelujah. Can I have somebody join in and say hallelujah? Quelqu'un me joigne, dise hallelujah. If it had not been for the Lord on your side, si where would you have been? You would have been swallowed up. But for God Almighty, here we stand today, having another opportunity for new beginnings. Could I have somebody say, hallelujah. 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 Can I have somebody say, hallelujah. 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 It means that we're giving God the highest praise. Someone say hallelujah. Hallelujah. We can't praise him enough. Say hallelujah. 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 Hallelujah.
at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that he is Lord God Almighty. Everything that I sought to exalt itself above the knowledge of God in your life, in your relationship, is trampled underfoot now in the name of Jesus. Can I have somebody say hallelujah? Hallelujah. 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 Your past does not have to dictate your future. Stop right now and say hallelujah. 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 I am leaping into new beginnings. Testify with me. Sois juste avec moi, hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 He says, I have come that none should perish, but that all should come into this new beginning through repentance. Somebody say, hallelujah. Hallelujah. Jesus showed up just for you. Jésus est venu juste pour toi, juste pour toi. Just for you. Juste pour toi. Just for me. Juste pour moi. Just for you. Juste pour toi. Hallelujah. 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 The kindness of the Lord draws us to repentance. Somebody say hallelujah. 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 The Passion Translation puts it so well. It says, it is not that the Lord is slow, or it is not that he has lied concerning his promises towards you, but he is patient. He is patient. He has been knocking at the door of your heart. He is patient. Somebody say, hallelujah. 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 He is patient that none should perish. Mais pour que tu none ne perisses pas. Should pour perish. Que personne ne périsse. None should perish. Pour que personne ne what périsse. The enemy meant for evil que l'ennemi today, voulait faire en mal aujourd'hui. It is being turned mais cela a été renversé pour le bien. Pour le bien. Hallelujah. 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 Not by might. Not by power, la force, not la by might, not par by la puissance, power. It has force. So much to do with you and so il nothing to do with you. Toi. Not by might, pas par la nor force, by power, par la puissance, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah. None shall leave this place like we personne came today. Seul in qui the venu. Name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name au nom de Jésus. Of Jesus. De Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus, wherever God is exalted, partout là où Dieu est élevé, the first, the only, le seul, the only, et le seul, the only God, et le seul it Dieu. Is impossible for transformation. Il est impossible que la transformation n'arrive. It is impossible for transformation. Il est impossible que la transformation n'arrive. Had it not been for God, si c'était pour le Seigneur. Had it not been for God si pour on le your Seigneur, side, à tes côtés, had it not been for God si pour le on Seigneur, my side, à mes côtés, when I think of the goodness où, of Jesus quand je pense and à bonté all du Seigneur, he has done et for tout me, ce qu'il a fait pour moi, my soul cries out, mon âme hallelujah, cry, hallelujah, thank God, merci thank Seigneur, God, merci thank Seigneur, God, merci Seigneur, thank God, merci Seigneur, thank God, merci Seigneur, thank God. Merci Seigneur. Thank God. Thank God. Merci Seigneur. Thank God. Merci ô Dieu. Thank God. Thank God. Could I have every man in this room join me at the front, please? Hallelujah. Hallelujah. Could I have every man si in this room? Si tous les hommes peuvent s'avancer. Hallelujah. Shakatabaka sekere boko soto. Makandara boko soto roboko shakata. Yikiro boko shatabaka sekete. In the name of Jesus.
Mandarabaka sokoto boko shekete. Yede boko sata. In the name of Jesus, 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 where are the wailing women in Zion? Where are the discerning women in this room? In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ Almighty. The oil of the anointing. In the name of Jesus. 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 Come up higher. The anointing of John. In the name of Jesus. 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 Yakatopokosete. Makasekete bokosoto. Yekende bokosata. Makasoto bokosata. Yekende bokosoto bokosata. Makaseke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every knee shall bow. Yakatopokosata. Every tongue confess. Makasekete bokosoto. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes. Yes. Thank you. Oh, hakaseke. Makasakoto. Makayeke mokosoto. Yenere mokosata. Akoshata. Makasete. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Dedicated. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Yeke sokoto boko shata. Makasekete. Yekete boko shata. Makanere boko soto. Yekete boko shata na makasete. Hallelujah. 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 Yes, hallelujah. 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 Where is the oil? Where is the oil? Yeke kono moko shata. Where is the oil? Makanzele moko shata rabasete. Yeke te moko shata. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. 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 I pour the oil of the anointing symbolically on this altar. It would reach the head of every man first in the name of Jesus Christ the mighty. Behold how good and how pleasant it is for us to dwell in unity, because it is as the oil of the anointing that flows from the head. Men shall be first. Yet in the name of Jesus. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yes.
In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We will not leave here today without possessing what came for sans avoir reçu ce qui nous appartient dans le nom in de Jésus, dans le nom 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 de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Yes. Oui. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. Iko shatabaka sekita yabasaka yabasheke makanda da bokoso ke yabasika yabatrobo yekede bokoshatabaka sekike yabasheka makato bokoshaka yabasoko yabatreba rike yabasheka au nom de Jésus. Rike yabasaka yabatrobo. Hallelujah. 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 Rike yaba soko yaba tava yaba reka yaba sike reke yaba shaka yaba soko rika yaba saka yaba tava yaba reke shika yaba soko reka yaba soko yaba tava yaba rike sheke yaba soko yaba tava raka yaba sike yaba tobo riko yaba saka yaba sheke reke yaba soko yaba tava yaba rike Sika yaba traba, reka yaba soko, shika yaba saka yaba traba yaba roko, reke yaba sika, shike yaba soko yaba traba, raka yaba sika yaba traba yaba reke, reke yaba sike, roko yaba sheka yaba sike, reka yaba trobo yaba rike, sika yaba traba, roka yaba seke yaba tribe yaba reke, reke yaba soko, roka yaba shaka, seka yaba trebe yaba reke. Rike yaba soko yaba sheka reka yaba soko yaba traba raka yaba shike yaba trobo yaba reke yaba seke rike yaba shaka saka yaba tribe yaba reke sheka yaba trobo yaba reka yaba seke roka yaba sika rika yaba saka yaba tribe rika yaba shaka yaba seke. Have your way this morning, O Lord. Holy Spirit, have your way this morning. Have your way this morning. Have your way this morning. Let you have your way this morning. Reka yaba seka yaba trebe. Rika yaba shoko yaba treba yaba reka. Reke yaba saka yaba drobo yaba rike. Sheka yaba soko yaba treba yaba reke. Reke yaba sika yaba drobo. Reka yaba sika yaba sheka yaba drobo. Rika yaba saka yaba drobo yaba reke. Sheka yaba soko, rike yaba saka yaba drobo, haka yaba shaka yaba sike. Have your way, Holy Spirit. Move in this place as you wish, oh Father God. Move in this place as you wish, Holy Spirit. Have your way this morning. 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 Reke yaba seka yaba sheka yaba drobo. Reke yaba sika yaba trebe yaba reke reki yaba shaka yaba soko rika yaba saka yaba treba reke yaba shike yaba soko yaba trebe reka yaba soko yaba tribe yaba reka shaka yaba saka roka yaba trebe rike yaba seka raka yaba trobo yaba reka yaba shike. Reka yaba saka yaba trebe, rika yaba soko, reka yaba sike yaba trebe, reka yaba soko yaba trebe, rika yaba shaka yaba soko, roka yaba trebe, rike yaba saka, shaka yaba trobo yaba rika yaba seke, rike yaba seke, sheka yaba trobo yaba rika yaba saka, rike yaba sheke, seka yaba trobo yaba rika yaba shike, seka yaba trobo yaba reka.
Shaka yabasoko, rika, ribu yabasiki yabatribi, rike yabasheka yabasoko, rika yabasika, raka yabasaka yabatro, yabarika yabashika yabatrobo yabareke. Raka yabaseke, rika yabaseke, reka yabaseka yabadrobo, rika yabaseka, Jesus, roka yabasaka, sheka yabadrobo, rika yabaseke, have your way this morning, rika yabaseka yabaseka. As we surrendering ourselves unto you, rika yabaseka yabadrebe, have your way this morning. Sheka yabasike, sheka yabasoko yabadrebe. Let your will be done. Let your will be done this morning, Lord. Let your will be done this morning, O Lord. Let your will be done, O Lord. Let your will be done this morning, O Lord. As we surrendering ourselves unto you, let your will be done. Let your will be done. Rika yabaseka yabasheke. Reka yabasoko yabadreba yabarike. Sheka yabadrobo. Roka yabasike yabadreba yabareka. Shika yabadrobo. Robo, roka yabaseka yabatrebe, reke yabasheka, soko yabatriba yabareka yabaseke, sheka yabatrobo, rika yabasaka, shaka yabatreba yabareka yabasike, reke yabasoko, roka yabasaka yabashike, reka yabasika yabatrobo yabareka, shaka yabaseke, reka yabasuko yabatraba yabareka, shika yabaseka yabatrobo, rike yabaseke, Reka yabatrobo, rika yabasaka yabatraba yabaroka. Sheka yabasike yabatrebe, riko yabasaka. Sheka yabatreba yabarike yabasaka. Raka yabasheka, reke yabasoko yabatrebe. Reka yabasoko, rika yabatraba yabareka. Sheke yabasaka, reka yabasoko yabatreba. Rike yabasheka yabaseke, reke yabasoko. Roka yabatraba yabarike. Sheka yabasaka yabatreba yabarike. Sheki yabasaka yabatrobo, reka yabasaka yabatrebe, roka yabasike yabatrebe, roka yabashike, siko yabatraba yabareka yabasheke, rika yabasaka, raka yabasaka yabatrobo, reki yabaseki yabatrobo, rika yabasoko yabatrebe, reka yabasika yabasheke, reka yabasoko, rike yabasaka yabatreba yabareke, shaka yabasoko yabatribe yabareka, raka yabaseka, roka yabashike yabaseke. Hallelujah. Yes. Rika. Hallelujah. 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 Can I have every man turn to me, please? Est-ce que je peux avoir les hommes tournés vers moi, s'il vous plaît? Hallelujah. Hallelujah. Rika yabasika yabashaka. Roka yabasike yabatreba yabareka. Sheka yabatrobo yabareka yabaseka. Shike yabatrobo yabaroka. Saka yabatreba yabareke. Sheka yabasoko. Roka yabasike. Rika yabasaka. Sheka yabatrobo yabareke. Seka yabatrobo. Sheka yabatrobo. The oil is right now dripping from the altar. L'huile est en train de couler sur l'autel. The oil is right now dripping spiritually from the altar. Spirituellement, l'huile est en train de couler. The oil has been released from you right now spiritually. L'huile a été relâchée pour vous spirituellement. To drip on your relationships. Afin de couler dans vos relations. I want you to know that as I stood here. J'aimerais que vous sachiez pendant que je me tiens ici. The Lord instructed me to say this to you. Dieu m'a instruit de pouvoir le faire comme ça. Ah.
I am so sorry for the damage that you have had to endure on your manhood. Je suis si désolée de la relation, de la façon à laquelle vous avez vu comment les hommes se comportent. I'm so sorry for every time you have needed to be affirmed but lacked what you've needed the most. Je suis si désolée qu'à toutes les fois où vous devez être affirmé, que cela n'a pas été fait. I'm so sorry for every time you've been perceived to be absent when you've been really trying to be present. Je suis désolée à toutes les fois qu'on a perçu que vous étiez absent mais pendant que vous y étiez. I want you to know that heaven has been bragging to me about you. J'aimerais que vous sachiez que le ciel m'a révélé ceci à propos de vous. You are a man of honor. Vous êtes des hommes d'honneur. Amen. You are a man of honor. Vous êtes des hommes d'honneur. If there is a wife connected to any man in this room, just make your way behind him now. S'il y a une femme qui est mariée à ces hommes, juste mettez-vous en arrière, placez-vous en arrière. Just hold that man in a way that you know that you know that you know he at his heart is a man of honor. Serrez cet homme comme vous déclarez que c'est comme vous prenez comme un homme d'honneur. Affirm him through how tight you hold him right now. Affirmez-le. Reinforcing that he is a man. Renforcez comme son honneur. Not by outward appearance we look because it is the word of God. Pas par apparence, mais c'est parce que c'est la parole de we Dieu. We look at the outward appearance, but God is looking at the heart. Nous regardons l'extérieur pendant que Dieu regarde l'intérieur. You are a man of honor. Vous êtes des hommes d'honneur. You were created a man of honor. Vous avez été créé comme des hommes d'honneur. At your core, et en vous, you are a man of such great wisdom. Vous êtes des hommes avec une grande sagesse. Even in your silence, même dans votre silence, you are a man of great wisdom. Vous êtes des hommes de grande sagesse. You are a visionary. Vous êtes des visionnaires. An ordained planter of seed. Ordonner et semer. We will never reproduce anything without you. We need you. Nous ne pourrons pas reproduire sans vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. One, you are destined to be a priest. Lorsque vous avez été prédestiné à être de prêtre, you are our connection to God. Vous êtes notre connexion à Dieu. Even far beyond what eyes can see. Même au-delà de ce que l'œil ne peut voir. You are a hero. Vous êtes des héros. You are a warrior. Vous êtes you are guerriers. A leader. Vous êtes des leaders. You are a lion. Vous êtes des lions. Yet a lamb. Oui, mais aussi des you agneaux. You are a man of honor. Vous êtes des hommes d'honneur. You have an uncommon depth of wealth within. Vous avez une chose. You have an uncommon depth of wealth within. Vous avez en commun quelque chose de grand. I speak into your soul. Profondeur de sagesse. Your potential for generational influence is so deep. Votre potentiel de d'influencer les générations est tellement profond. You are a destined forerunner in your unique lane. Vous êtes destiné à courir sur votre propre no ligne. No one else can be like you. Personne d'autre ne peut être no comme one vous. Else can accomplish what God personne has designed ne peut you to accomplir ce que Dieu a désigné que vous allez accomplir. No one else can be the husband to the wife that God has destined you to be. Personne peut être des maris que Dieu a destiné comme vous le savez. You are designed to leap beyond every mountain. Vous êtes désigné à parcourir les plus grandes montagnes. Ah. And you have the blessing of new beginning. Les hommes, vous avez la bénédiction d'un nouveau commencement. Right now, you have maintenant, the blessing of new beginning. Vous avez cette bénédiction. Right now, you have the blessing of new beginning. Maintenant, vous avez la bénédiction d'un nouveau début. Behold, he who is in Christ. Sachez que ce qui est en is Christ a new creation. Est une nouvelle créature. All things are passed away. Toutes choses anciennes behold, est passées. All things are become new. Et toutes choses est devenue nouvelle. There is grace for you in every moment to come. Il y a la grâce en vous en chaque moment qui arrive. You would know what to do, when to do, how to do it. The blessing of precision is released unto you now. Vous saurez quoi faire et qu'en faire avec la précision qui vous a été donnée. The surpassing greatness of God's power
is towards you. La supériorité et le pouvoir de Dieu est sur vous. As a brother, comme frère, as an uncle, comme oncle, as a nephew, comme neveu, as a father, comme père, as a husband, comme mari, as a friend, comme ami, as a son, comme un fils. We need you. Nous avons besoin de vous. We respect you. Nous vous respectons. We admire you. Et nous vous admirons. We celebrate you. Et nous vous célébrons. We affirm you. Nous vous affirmons. As a hero. Comme des héros. As a warrior. Comme des guerriers. As a leader. Comme des leaders. As a lion. Comme des lions. Yet a lamb. Oui, des agneaux aussi. I want you to turn to the woman next to you. Que vous vous tournez à la femme qui est à votre côté. À votre épouse. And I want every woman in the congregation to stand with me, if you Est-ce can. Que toutes les femmes qui sont dans la congrégation peuvent s'élever, s'il vous plaît? We speak beyond the natural. Nous parlons au-delà de la du naturel. I'm aware that there's been natural experiences represented across everyone in this room that could give us every reason not to do what God has called us to do. Je sais qu'on peut se donner des raisons de dire pourquoi est-ce que nous ne devons pas faire ce que Dieu a dit. Yet when we seek first, mais lorsque nous cherchons en premier the kingdom of God, le royaume de Dieu, all that we need, tout ce que nous avons everything besoin, that we need, tout ce dont nous avons besoin, is added unto us. Est rajouté en cela. Every woman, if you would join me, si toutes les femmes vont me joindre in that spirit, dans cet esprit, and look at every man at this altar, et regardez ces hommes devant vous, and tell them loudly. Et dites-leur avec amour. You are a man of honor. Tu es un homme d'honneur. You are a man of honor. Tu es un homme d'honneur. You are the heart of a good thing. Toi, tu as un cœur des bonnes choses. If your wife is speaking to you, wife, just mount up. Say to me, you are the heart of a good thing. Femme, déclare-le pour moi. Tu es un homme d'honneur. You are the heart of a good thing. Et tu as le cœur des bonnes choses. Amen. Amen. In the loudest voice that you can, if I could ask every man to repeat after me, this might be interesting with translation. Alors, ça va avec votre plus grosse voix, les hommes, si vous pouvez répéter après moi. And I want you to, although look at the woman in the congregation. J'aimerais que vous regardiez les femmes dans la congrégation. And I want you to say to her, "You are worthy of esteem." Que tu es digne d'estime. Regardez à ces femmes et dites-leur que vous êtes digne d'estime. So I think part of what we might do, is there anyone in the congregation that speaks only English and no French? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent seulement anglais et non français? Okay. Thank you so much. Merci. So what we're going to do is to say it English only and then French only. Alors la façon dont nous allons faire, nous allons le dire seulement en anglais et après nous allons le répéter seulement en français. So for the men that speak English, when I say the English, you say it after me, and then when Sister Sandrine says the French to the men that speak French, you say Alors, pour les hommes qui parlent en anglais, vous allez répéter après Elder Boea. Après, vous allez répéter après moi pour les gens qui parlent seulement en français. I want you to look that woman in the face. J'aimerais que vous regardiez ces femmes droit aux and yeux. Tell her you are worthy of esteem. Et dites-leur que vous êtes digne d'estime. Vous êtes digne d'estime. You are a great gift. Vous êtes un don parfait. You are a destined generational lifeline. Vous êtes une destination d'une ligne de vie. Even when you are challenged at your core. Même lorsque vous êtes défié au plus profond de vous, you are a heart of strength. Vous avez le cœur fort. Vulnerability. Vulnérable. And profound capacity.
et une profonde capacité. Just look at that woman and say, you are beautiful in so many ways. Tu es belle de différentes façons. You are unique in great depth. Tu es unique en des grandes profondeurs. Resilience. Résiliente. And character. Et caractère. In all that you face, you are the beloved of God. En tout ce que tu fais face, tu es aimé de Dieu. A true nurturer of souls. Un âme sœur. A heart of strength. Un cœur et une force. Vulnerability. Vulnérabilité. Vulnérable, pardon. Yet profound capacity. Mais une grande capacité. You are the heart of a good thing. Vous avez le cœur à des bonnes choses. You are the heart of a good thing. Vous avez le cœur à des bonnes choses. Thank you so much. Merci infiniment. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. As I stood here this morning, en me tenant ici ce matin, and the Lord instructed me to invite the men to the front. Et le Seigneur m'a instruit d'inviter les hommes de s'avancer. As the Lord continued to speak to me this morning, et pendant que le Seigneur continue de me parler encore ce matin, I was aware of the call for anointing. J'étais en alerte pour l'appel pour l'onction, l'huile d'onction. The Bible says that it is the anointing that breaks. La Bible dit c'est l'onction qui brise le joug. Right. So we understand that to be a spiritual anointing. Donc il y a l'onction spirituelle. And also our participation. Et aussi notre participation en représentant cette onction. Because the spiritual will stay spiritual and will always be true. Le spirituel demeurera spirituel et ça sera toujours vrai. But yet if it never accesses through the natural, through our minds, it would always seem to not work. Et si cela demeure juste spirituel et n'accède pas à notre pensée dans le physique, cela paraîtra comme ne rien fonctionner. Yet truly the word cannot lie. Et la parole de Dieu ne mentira jamais. So why does it seem et pourquoi cela paraît-il that as a people, comme nous en tant que peuple, as a community, comme une communauté, the abnormal have become the normal. Donc la normale devient normale. Where we have no lack of passion in attending church, in reading the Bible, why is it that our lives, le manque de passion en lisant la Bible, en venant à l'église, et pourquoi cela en est-il? Why is it that our relationship et qu'en est-il de nos relations continue to go through the intensity continue of à passer struggle, dans les troubles intenses? The anointing breaks the yoke. L'onction brise le joug. And so as I was standing here, et en maintenant, pendant que j'étais debout ici, my natural, the Bible says, when I mean to do good. Et la Bible dit lorsque je veux faire du bien. When I mean to do what God wants me to do. Quand je veux faire ce que Dieu, ce à quoi Dieu m'appelle à faire. The counter presents itself. Et il y a aussi le contraire qui se présente. That becomes the middle ground, becomes my decision making. Et cela devient my choice. Point de décision, mes choix. To choose the evil. Pour choisir le mal. Or to choose the good. Ou de choisir le bien. So I'm standing here. Et je suis ici debout. In
the pulpit of this church. Sur l'autel de cette église. And I'm very aware in my natural. Et je suis vraiment sûr que dans mon naturel, qui contre that I am a woman. Et en tant que femme. And God said, release the anointing. Et Dieu m'a dit de relâcher l'onction. What do you do? Et que ferais-tu? What do you do? Que ferais-tu? What do you do? Que ferais-tu? The anointing still breaks the yoke. Et l'onction brise encore les jougs. The anointing still breaks l'onction the yoke. Brise encore le joug. Because when I operate in the instruction of God, parce que lorsque j'opère dans les instructions de Dieu, it is no longer I, ce n'est plus moi, but Christ that lives in me. Christ qui vit en moi. It would be why Saul was destroyed. C'est pour que l'âme est que Saul a été détruit. Oh yes, thank you. The Bible teaches us about the importance of following the instructions. Et la Bible nous enseigne comment suivre les instructions. Of God. Les instructions de Dieu. And so when we fail to follow the instruction of God, et lorsque nous refusons de suivre les instructions de Dieu, the path that we create, whether knowing or unknowing, et la voie que nous créons, ne reconnaissant pas cela, is one of, c'est l'une de, is one of destruction. C'est l'une des destructions. Is one of destruction. C'est l'une des destructions. I'm going to tell you a story and then I'm going to lead you quickly through a passage of scripture and I'm going to then let you to know, let you know what God has instructed me, why I had no plan at all in the natural to write a book. Et je veux partager quelque chose et ensuite je lirai un passage et vous direz les instructions du Seigneur qui m'ont poussé à écrire un livre lorsque je ne m'apprêtais pas à le faire. But God. Mais Dieu. But God. Mais Dieu. When I was a baby, quand j'étais bébé, I struggled with an illness. Je me battais contre une maladie. That illness robbed me of my voice. Et cette maladie-là m'avait volé ma voix. My grandmother would tell me the story. Et ma grand-mère me dira that as normal babies, en tant que bébé normal, that cry to communicate when they have a need. Doit crier pour communiquer lorsqu'il y a un besoin. I lacked the capacity to communicate. Mais moi, je n'avais pas la capacité de communiquer pour mes besoins. Because I had no voice. Parce que je n'avais pas de voix. I would sound something like. Et je ferais quelque chose comme. Not loud enough. Et pas tellement fort. To garner the attention that I needed. Pour avoir l'attention dont j'avais besoin. Could I tell you that the loudest voice in your life right now is not the truest voice? Et je vous dirai que la plus haute voix dans votre vie n'est pas la vraie voix. The loudest voice in your life right now is not necessarily the truest voice. Et la voix la plus criante dans ta vie n'est pas nécessairement la vraie voix que tu as. The loudest voice in your life right now is not necessarily the truest voice. Et la voix la plus criante dans ta voix aujourd'hui n'est pas la vraie voix de ce dont tu as besoin. My grandmother would then tell me the story. Et ma grand-mère me donnera l'histoire. That even though I could not communicate, c'est même quand bien même je ne pouvais pas communiquer par ma voix, she was so attentive. Elle était tellement attentive. To what I could not say. De tout ce à quoi je ne pouvais pas she dire. Was so attentive. Elle était tellement attentive. To what was not obvious. De ce qui n'était pas évident. My uncle, who would not back then, people didn't buy lunch outside. They came home for lunch and went back. Et mon oncle qui était là, il partait acheter la bouffe et il rentrait ça et là. He would tell me the story that when he several times he came home for lunch and saw how I looked very not appealing. Et me disait lorsqu'il rentrait pour venir manger. Il me regardait, je n'avais pas l'air vraiment bien. He said he would just leave and go right back to work. He could not eat. Et il dit, il pouvait juste rentrer, laisser sa bouffe et retourner au travail sans manger. Because of how I looked. Juste comment est-ce que je paraissais. Could I tell you that man looks at the outward appearance?
Il a vu que les hommes regardent aussi à l'apparence externe. Mais Dieu regarde au cœur. What is in your heart? Qu'en est-il de ton cœur? That your neighbor, your husband, your wife might not be able to see, but God himself ton voisin, is speaking ton mari to you ne about peut pas right voir now. Ce que ce pourquoi Dieu te parle maintenant. My grandmother would, when she told me, would tell me the story, she lorsque ma grand-mère me disait l'histoire, had a glare in her eye, this when you just know that someone loved you. Lorsque tu reconnais que quelqu'un t'aime. Not because of anything you did or didn't do. Pas parce que de ce que tu as ou n'as pas pu faire. But just because they love you. Juste parce qu'ils t'aiment. She was my earthly representation of the love of God. Elle était ma représentation terrestre de l'amour de Dieu. About almost 5 years. Il y a cela 5 ans. 4 years ago. Il y a cela 4 ans. My grandmother turned 100. Et ma grand-mère a eu 100 ans. And so we all flew from all around the world and went home. Et nous avons tous voyagé de partout dans le monde pour aller la voir au pays. To celebrate her birthday. Pour célébrer sa naissance, 100 ans, ses 100 ans. There we called it a Thanksgiving service. Et là, nous l'avons appelé un service d'action de grâce. Because we are aware that had it not been for God. Parce que nous savons que si ce n'était pas Dieu. Just about a couple months before going on the trip. Et quelques mois avant que je m'engage dans le voyage. The Spirit of the Lord woke me up morning after morning. Et l'Esprit de Dieu me réveillait tout le matin. With the scripture in Isaiah. Avec une écriture dans le livre d'Isaïe. It's a scripture, I think it's Isaiah 21. C'est Isaïe 21, je crois, c'est Isaïe 21. But the scripture says that no longer. Et l'écriture nous dit. No longer would a baby live just but for a few days. Et un bébé ne vivra pas simplement juste pour quelques jours. And the one who would turn 100 would be considered young. Et celui qui aura 100 ans sera considéré comme étant plus jeune. That chapter starts with more of a conviction, though. Et ce chapitre-là a commencé à créer une conviction en moi. It's the, you know, I am here, but you don't see me. I speak, you don't hear me. Et comme je suis là, je parle, comme si tu ne m'entends pas. But as I kept reading, et en lisant, by the instruction of God, keep reading, par les instructions que le Seigneur m'a données, this was the scripture that he told me to stop and focus on. Voilà l'écriture sur laquelle il m'a dit de focaliser. Sometimes it is because of the abnormal that we've lived in. Quelquefois c'est à cause du style anormal dans lequel nous avons when vécu. When God is calling us into a blessing, quand Dieu m'appelle vers la bénédiction, we have a way of just seeing a criticism instead. Nous voyons juste une façon de critiquer à sometimes la place. God is calling us into a blessing, quand Dieu nous appelle à une bénédiction, but because of our own stuff, mais à cause de nos propres we affaires, are more apt to hear a negative. Et nous n'écoutons juste que le négatif. God has sent me here today to tell you. Et Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui pour te dire. Be attuned again just to my voice. Et juste aie l'oreille tournée vers la voix de Dieu. Be attuned again just to my voice. Sois juste que ton oreille soit tournée juste vers la voix de interrupt Dieu. Interrupt the interruption of the past. Interromps l'interruption du passé. Interrupt anything that interrupts what I've said. Interromps tout ce qui interrompt ce and que je t'ai dit. And attune just to my voice again. Et sois focalisé encore juste sur ma voix. Isaiah 65. The verse is 21. Isaiah 65 verse 20. Isaïe 65 verset 20. I am now celebrating back home for my grandmother's birthday. Et je célébrais ton pays pour la naissance de ma grand-mère. And at 100, she's all there, mentally strong, physically strong. Et à 100 ans, elle est encore toute bonne, mentalement, physiquement aussi. One day. Un jour. I was in the room with her. J'étais dans la chambre avec elle. And she called me and says, Andrea, come sit next to me. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Andrea, viens t'asseoir à mes côtés.
As I sat next to her, et lorsque je me suis assise à côté d'elle, she put her hand on my stomach. Elle a pris sa main et l'a mise sur mon ventre. And she said to me, elle m'a dit, you are carrying water. Et tu portes de l'eau. I was at that point, et à ce moment-là, j'étais about 3 months pregnant. J'étais au moins 3 mois, j'étais enceinte au moins 3 mois. But just in the few years before that pregnancy, et juste quelques mois avant cette grossesse, we had lost unborn children. Nous avons perdu un bébé. So here I was again, as in the beginning of my life. Et là, j'étais comme si j'étais au commencement de ma vie. In this, I have faith, life happens. Et c'est dans ceci, j'ai la foi, la vie arrive, les choses arrivent. I have enough evidence that things could not go well. Et j'avais tellement d'évidence que cela ne marcherait pas. But I have enough faith to hold on at the same time. Et j'avais la foi aussi pour tenir ferme à la même moment. Do you know that you could truly be used of God even before you are there already? Sais-tu que tu peux être utilisé par Dieu avant même que tu n'y sois? Do not despise small beginnings. Ne méprise pas le faible commencement. Wherever you are, God could make a testimony. Là où tu es, Dieu peut faire un témoignage. That you're going through. Et peu importe ce right que tu passes. Where you are, maintenant là où tu one es. Moment at a time, à ce moment, un moment à la fois. God could give you a testimony for generations to come. Dieu peut te donner un témoignage pour les générations à venir. Out of what you were going through. De ce sur quoi tu es. The Bible says if you have enough faith, si tu as juste un peu de foi, comme un grain de sénévé. You could say to that mountain, tu peux dire à cette montagne, be removed. Débarrasse-toi, ôte-toi de là. At 100, à 100 ans, my grandmother said, come sit with me. Ma grand-mère m'appelait, me dit, assieds-toi avec moi. Put her hand on my stomach. Elle a mis sa main sur mon estomac. And she says, you are carrying water. Elle m'a dit, tu portes de l'eau. Water is the symbolic refreshing, renewal, washing. Donc l'eau, making c'est le symbole de renouvellement, de l'eau de nettoyage, en remettant toutes choses à nouveau. It was in that moment. J'étais en ce moment-là. It was like a halo, literally an angel light. C'était comme une lumière qui éclaircit. And I remember that I was consistently being woken up by the Holy Spirit with Isaiah 65. Et je me suis rappelé directement que le Saint-Esprit rappelait tous les matins avec le livre d'Ésaïe 65. Here was the 100 year young. Et là, c'était une jeune de 100 ans. Speaking life again into me far beyond what she can see. Me parlant de, en posant ma vie en moi au-delà de ce qu'elle pouvait voir. To that point, we did not have conversations with mother about me expecting. To that point. Et je n'avais partagé avec personne concernant la grossesse. The confidence that I needed to la confiance dont j'avais besoin further in my faith de confirmer même en profondeur pour ma foi came from 3 generations past. Est venue de cela 3 générations passées. Your story might not be my story. Ton histoire ne peut pas être mon histoire. But the story of someone 20 years from now. L'histoire de quelqu'un d'ici à 20 ans. Depend on how you live the word right now. Peut te dire de confirmer comment tu vis ta vie maintenant. You might not have a grandmother, a great grandmother that has loved you unconditionally. Tu peux ne pas avoir une grand-mère ou une grand-grand-mère qui est aimée. You might not have had a father who loved that little boy in you that's still longing to be loved. Un père qui t'a aimé toi le petit garçon. Un père que tu cherches. But if you plug into God right now, mais si tu te connectes à Dieu maintenant, 20 years from now, a generation will rise up with courage. 20 ans après, une génération se lèvera avec courage. And be able to hear, have I not et sera prêt à entendre ce que Dieu a fait avec toi. You are the heart. Tu es le cœur d'une bonne chose. So here's what happened. Écoutez ce qui est advenu. What's our time? Thank you. In the beginning. Au commencement. Himself. Se créer lui-même. He said, "Let us create man dit, in our image." Créons l'homme à notre image. In our likeness. À notre ressemblance. And then he looked at himself. Ensuite, il se regarda and lui-même. Says, "That is good." Il a dit, "Ceci est très bon."
That is the foundation for the heart of a good thing. Et là, c'est la fondation de le cœur pour une bonne chose. Then God created man. Ainsi Dieu créa l'homme. After God created man. Et ensuite Dieu créa l'homme. He replicated the same process all over again. Il a répliqué la même procédure encore. And he created woman out of man. Et il créa la femme de Still l'homme. Still in his own image. Toujours dans son image. Still in his likeness. Toujours dans sa ressemblance. Because man was in his likeness, so Parce que l'homme in the était dans sa man, ressemblance, la femme aussi en sa ressemblance. Still one stream. Et c'est toujours sur le même sang. That's the picture of priesthood in sync with God. Là, c'est l'histoire, l'image qui était synchronisée avec Dieu. And then there was an interruption. Et ensuite, il y a eu une interruption. Then there was an interruption. Ensuite, il y a eu une interruption. The enemy presented himself as if he was God. Et l'ennemi se présenta lui-même comme s'il était Dieu. And humanity believed the enemy. Et l'humanité a cru en l'ennemi. When I want to do good, lorsque je veux faire du bien, evil present itself. Il y a le mal qui se présente. The choice is yours. Et le choix te revient. At that point, what happened was that the identity of Adam and Eve, the first man and woman, I call historical man and woman, was distorted. À ce moment-là, l'identité d'Adam et Ève fut The minute they disconnected from God, they no longer knew who they were. Et ils se sont déconnectés de Dieu, ils ne surent plus qui ils étaient. How much identity crisis do we see around us? Et combien d'identité Christ a à refaire autour What de nous? What stream are we in? The bold love in the beginning? Et sommes-nous encore sur quel flot? Flot du début ou le flot d'interruption? The Bible said before they were naked, not ashamed. La Bible dit avant ils étaient nus mais ils n'en avaient pas honte. That means even if they had some stuff, they didn't even notice. Mais même si lorsqu'ils avaient quelque chose sur eux, ils s'en foutaient. The minute they made the choice to accept the enemy's voice as the truth, then they saw their stuff. Ensuite, après qu'ils aient accepté, s'est soumis à la volonté de l'ennemi. Ensuite, ils ont vu ce qu'ils avaient sur eux. There was a hidden agenda for destruction. C'était un agenda caché de destruction. But that agenda was not discerned. Et cet agenda-là n'était pas fait. The focus of the fall or the initiative was looking at things from the eye. Et le début ou l'initiative de la chute était bloqué devant leurs yeux. You might be looking at the person in your life. Tu peux regarder la personne dans ta and vie. And by all that you see. Et tout ce que tu peux voir. By their behavior that you see. Par le comportement que tu vois. By how they present themselves like you see. Comment ils se présentent comme tu le vois. And you think they're not good enough. Et tu sens qu'ils ne sont pas bons ou ils ne sont pas bons à rien. That is the voice of the enemy. Là, c'est la voix de l'ennemi. Because as long as we are children of God, parce que si longtemps nous sommes enfants de Dieu, there will always be a seed of God. Il y aura toujours la semence de Dieu en nous. You could either choose to water the seed of God that you can't see. Tu peux choisir d'arroser la semence de Dieu que tu ne peux pas voir. Or you can magnify the stuff that you don't want anyways that you just can't see. Ou tu peux magnifier les choses que tu ne voudrais pas sans pouvoir voir. What would you choose today? Et que choisirais-tu aujourd'hui? The heart of a good thing. Le cœur d'une bonne chose. Or the interruption of the enemy. Ou l'interruption de l'ennemi. The first thing that happened after La première Adam chose qui est arrivée lorsque Adam et Ève was blame, sont tombés, c'était, fault, c'était le blâme, la faute judgment. Et le jugement. How often we do that first? Et combien souvent nous le faisons d'abord? We look at the people in our lives. Nous regardons les gens dans nos vies. And I am always a victim. Et je suis toujours la victime. And it's always their fault. Et c'est toujours leur faute. Maybe rightfully so. Tu peux Maybe avoir raison. Maybe justified. Même justifié. But he who knew no sin. Mais qui n'a pas connu de péché? Qu'il devient péché. So that you and I. Pour que toi et moi. Could become the righteousness of God in Christ Jesus. Puissions devenir la justice de Dieu en Christ Jésus. How is it then? Et qu'en est-il ainsi? That we are stuck in blame, que nous fault, sommes bloqués judgment, à blâmer, à juger et à trouver des fautes et mon manque de pardon. There is a cycle of misguided responsibility. Il y a un cycle de responsabilités incontrôlées. I tell you, it's cold outside.
Je vous dis qu'il fait froid dehors. None of us could change right now that it's cold outside. Et personne ne changerait parce qu'il fait froid dehors. But all of us could change how we experience the cold outside. Et tous nous pouvons changer comment nous faisons face au froid. All of us could change how we experience the Chacun cold d'entre outside. Nous peut changer comment nous comporter face au froid dehors. I just realized that somebody was saying, "Oh, the last couple of weeks have been really, really bad." And quelqu'un dirait que les dernières semaines ont été vraiment, vraiment mauvaises. And it honestly occurred to me that I haven't experienced the winter as bad. Et cela m'est arrivé que j'ai expérimenté le froid comme il en est. Because I leave home, step in a car, step in the office, so I'm not outside a lot. Parce que je quitte la maison, dans la voiture, au bureau, je ne suis pas tellement dehors. For someone who's homeless on the downtown streets of Mais Toronto. Mais quelqu'un qui est sans abri au centre-ville de Toronto. I can't justifiably say to them, oh no, it wasn't that bad. Je ne peux pas justifier devant lui que non, il ne faisait pas tellement froid. But yet, do they lack the opportunity for change? Est-ce qu'ont-ils manqué l'opportunité de changer? No. Non. As much as it is possible. Et aussi possible cela peut en être. Be at peace with some people. Être dans la paix avec quelques personnes. Be at peace with just the pastor. Être en paix juste seulement avec le pasteur. Be at peace with just the people who do the things I like. Ou faire être en paix avec juste les gens qui font le bien, les choses que j'aime. As much as it is possible. Et aussi possible que cela peut en être. Be at peace with soit en paix all avec men. Tous les hommes. He who knew no sin. Celui qui ne connut aucun péché. It wasn't his fault. Ce n'était pas sa faute. He knew no sin. Il ne connut aucun péché. But he took on criminal. Mais il a pris le péché des criminels, des voleurs. He took on the title of rapist. Il a pris aussi les he violeurs. He took on the title of prostitute. Le titre de prostituée. He took on the title of bad parent. Il a pris le titre de mauvais parent. He took on the title of slavery. Aussi le titre de esclave. He took on the title of bad husband. Il a pris aussi le titre de mauvais mari. So that you and I pour que could toi et moi puissions devenir the heart of a good thing. Le cœur d'une bonne chose. The entire Old Testament. De tout l'Ancien Testament. From Genesis. De Genèse. Priesthood. Et de sacrificature, la sacrificature. Which is the unblocked connection with God. Là, c'est une connexion qui n'est pas bloqué avec, qui n'est pas bloqué avec Dieu, to judges, jusqu'au livre des juges, the people needed to be corrected in their moral standing. Les gens devaient être corrigés dans leur façon morale de vivre, just like judges exist today to comme les juges existent aujourd'hui pour corriger ceux qui se comportent mal. Then the people saw other nations, ensuite le peuple a vu d'autres nations, other ungodly nations, d'autres nations païennes, that had kings. Qui avait des rois. And they say, I want a king. Et ils voulurent avoir aussi un roi. It was a continuation of the interruption. C'était la continuation de l'interruption. All the while, the only plan of God was to bring us back. Et le tout le plan de Dieu c'est de nous ramener. In the beginning. De nous ramener au commencement. Can I tell you something about comparison? Est-ce que je peux vous dire quelque chose sur la comparaison? You don't know what you want. Tu ne sais pas ce que tu veux. Most of the time we look at other people. La plupart des fois nous regardons aux autres. And like, I want what they have. Je veux avoir ce qu'ils ont. You don't know what you want. Ce que tu ne sais pas ce que tu veux. Because here it is, Samuel is amazing at following and delivering the instruction of God. Ici on voit Samuel prêt à délivrer les instructions de Dieu. Saul had a great idea in his humanity. Et Saul avait une bonne not idée en tant qu'humain. Not to follow the instruction of de God. De ne pas suivre les instructions de Dieu. And God said, my only plan is to bring you back to the beginning. Et so Dieu I'm dit, gonna mon remove plan, the remettre sur le début. Je dois enlever l'interruption. I'm going to interrupt the interruption. Et je dois interrompre l'interruption. So he removed Saul. Ainsi il a sorti l'enlevé Saul. Albeit after 40 years, so we've après been in some stuff a long time. Il a eu beaucoup de choses pour très longtemps. Here is Samuel in his good heart. Et voici Samuel dans son bon cœur. Mourning for days and years on end. Après qu'il ait attendu pour des jours et des années. Can I tell you sometimes the things? Et quelquefois les choses. The things that God wants to remove from our lives. Que Dieu veut ôter de nos vies. Are the things we're trying to hold on to. Ce sont des choses sur lesquelles nous tenons fortement. The things that God is truly wanting to remove c'est que from my Dieu life veut ôter de nos vies are the things that we're holding on sont to des choses sur lesquelles nous retenons fortement. So here comes the instruction of God again. Et ici, voici l'instruction de Dieu qui vient encore. Go to the house of Jesse. Va à la maison de Jesse.
And he gets there. Et il y arriva. And there's some really good looking. Et il y avait des beaux gars. In appearance. Et dans l'apparence. Men. Des hommes bien. And God said no. Et Dieu lui dit non. None of them. Aucun d'entre eux. David, who was out of sight, et David qui était dehors, didn't dehors, have the appearance. Il n'avait pas cette apparence. I want to tell you. Et je veux te dire. If you ever dare. Si tu as déjà essayé, to believe in the potential of God, de croire dans le potentiel in the de Dieu, that in your life, dans les gens qu'ils ont mis dans you ta will vie, see phenomenal transformation, tu feras des transformations phénoménales dans ta vie, dans ton cœur. Il choisit David. And this is what he says of David. Et voilà ce qu'il dit de David. And we'll wind it down here. He says, il dit, I have found Pastor Daniel. Il dit, j'ai trouvé Pasteur Daniel. I have found Denis. Il dit, j'ai trouvé Denis. My God, insert your name there. The juste God mettre ton of nom. Heaven. Le Dieu des cieux. I have found the one who will interrupt the interruption. J'ai trouvé quelqu'un qui va interrompre l'interruption. And again, make way for what I intended in the beginning. Et pour créer le chemin de ce que j'ai voulu préparer depuis le commencement. Can God say that of you today? Est-ce que Dieu peut le dire de toi aujourd'hui? I have found you. Je t'ai trouvé. I have found Brother Rashid. J'ai trouvé Sœur Andrea. And he will do. Et il fera. All. Tout. Could we put up that scripture on the screen? Si on peut mettre cette écriture dans Acts chapter 13. Acte 14. And it's verse 22. Acte 14, 22. I have found David. J'ai trouvé David. A man after my own heart. Un homme selon mon cœur. And he will do all. Et il fera tout. That I will. Tout ce que je veux. David then becomes the generational gateway for Jesus, who now replaces the picture of the fallen Adam. Acte 13, 22. Puis, il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. I appeal to your heart today. Je l'appelle à ton cœur aujourd'hui. Whatever it takes. Peu importe ce que cela prendrait. Be intentional. Sois prêt à connaître. About listening only to the voice of God. À n'écouter que la voix de Dieu. When it comes to relationship. Quand cela arrive à ce qu'on appelle la relation. Because you are the foundation of the church. Parce que tu es la fondation de l'église. And if you are not the picture of how Christ has loved the church. Et si toi tu n'es pas l'image de comment Christ a aimé l'église. Then the world will never know. Ainsi le monde ne le saura jamais. I would release a concept to you and then we'll wrap it up. Et je vais vous donner un concept et ensuite je vais conclure. The Bible calls it Corban. Et la Bible appelle. The Jewish people were at the time saying in fact, et les Juifs disaient à ce temps-là. That what was meant to give to my parents. Et ce que je préparais donner à mes I'm parents. I'm going to give it to God. Je vais le donner à Dieu. Have you ever been in that place where you heard somebody going through a conflict and they just still just show up at church and they still just go pray and they even say I'm just going to pray about it. Vous avez quelqu'un qui est dans un conflit, il va à l'église et va juste dire bon, je vais juste aller à l'église et prier pour cela. Here's what the Lord is saying to you. Voilà today. Ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Before you come and lay your gift. Avant de venir déposer ton don d'adoration. Your gift of praise. Ton don de louange. Your gift of sacrifice. Ton don de sacrifice. At the altar. À l'autel. He says, lay it down and go back. Il dit, dépose-le et retourne d'abord. Et d'abord une conversation. Learn how to have a conversation. Apprends comment avoir la conversation. And then come to the altar. Ensuite, reviens à l'autel. And lay your gift. Et donne ton cadeau. This is what the cadeau. Bible says. Because of what we have been trapped in, the interruption. Et parce que nous avons été emprisonnés dans cette interruption. Our tradition of negative relationships. Notre tradition des relations négatives. We have made the word of God no effect. Nous avons rendu la parole de Dieu inefficace.
We have made the word of God null. Nous avons rendu la parole de Dieu inefficace. So commit today. Et engage-toi aujourd'hui. That I am going to do. Que moi je ferai tout. That God. Ce que Dieu. All. Tout ce que Dieu. That God. Tout ce que Dieu. Has called me to do. M'a appelé à faire. I know that for some relationships in your life, this might not be easy. Je sais que pour certaines relations dans votre vie, c'est pas facile. Know that God is more than willing to get in there with you. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vraiment s'y mettre. This is the heart of a good thing. Voilà, c'est le cœur d'une bonne chose. God has given me a strategy to give to you. Et Dieu m'a donné une stratégie de le donner. To bring your awareness again to how we have been interrupted as a culture, as a generation, as a people in the world. Vous faire savoir, vous donner un peu cette attention de voir comment est-ce que nous avons eu l'interruption dans les générations et dans le peuple. In the way he's called us to do relationships. Et comment est-ce qu'il nous appelle à vivre nos relations. And then the book will lead you into the five steps. First, be willing. Et le livre vous conduira dans les cinq étapes. Première étape, c'est vouloir. Second, rediscover who you truly are. Et deuxièmement, redécouvrir qui tu es réellement. Then third, revive. Et troisièmement, juste revivre, just ranimer. Like, just like a bypass surgery. Jusque comme quelqu'un qui a there eu une opération been, de cœur. There has been interruption. Il y a eu une interruption. But what the medical field understands is biblical principles. C'est que le monde médical a compris sont des principes bibliques. Strengthen what remains. Et reconforte ce qui est resté. See the seed of God. Cherche la semence de Dieu. And use the strength to interrupt the negative. Et utilise la force que tu as pour interrompre les négatifs. Find a positive artery. Trouve quelque chose de positif, une artère and positive. Bypass the stuff of the past. Et passe outre tout ce qui est passé. Then ignite passion for what God has truly. Ensuite, rallume la passion de ce que Dieu a mis en toi. And then indeed we will restore. Et enfin, il faut restaurer. With boldness. Avec courage. Acts of the apostles was all about boldness. Et les actes des apôtres, c'était juste concernant le courage. They confronted demons with boldness. Ils ont confronté les démons they avec courage. Confronted the negative with boldness. Ils ont confronté le négatif avec courage. If you hear a sister putting down another sister, et si tu entends une sœur en train de minimiser une autre sœur, interromps-la avec courage. Because we're going to commit that the next generation after us parce will que nous not devons fall nous engager que la prochaine génération ne tombe pas dans les mêmes pièges que nous. We will commit that the next generation will not fall into the wilderness. Que la prochaine génération ne tombe pas dans le désert. Interruption breeds unfaithfulness. Donc l'interruption amène l'infidélité. Unfaithfulness is rampant in our community. Et l'infidélité est vraiment brillante dans nos communautés. Nous devons interrompre cette interruption. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Criticism is rampant in our community. So, les critiques sont rampantes dans nos communautés. This is my beloved in whom I'm well pleased. Voici is mon bien-aimé en qui je crie. Voilà l'homme de Dieu. I made you and I looked at you and I said you are very je good. Je t'ai fait et je te regarde, je dis to que tu es bien fait. That interruption. So, interromps cette interruption. It is not that we don't think positive things about others. Ce n'est pas que nous ne pensons pas positivement concernant les autres. I see my sister wearing a lovely necklace. I would have the thought. Lorsque j'ai ma sœur avec un bon bijou, mais je ne voudrais pas qu'une mauvaise pensée sorte de ma bouche. If I don't like her here, however, si je n'aime pas c'est comme elle tell her clearly. Et je lui dirai clairement. We will interrupt the interruption. Nous allons interrompre l'interruption. We refuse to withhold what nous refusons is good de retenir ce qui est bon and just let way to what is not. Et de laisser passer ce because qui n'est pas bon. We parce have qu'aujourd'hui, committed nous sommes engagés to be like the woman with the issue of blood. D'être comme la femme avec le problème d'hémorragie. She was bold enough to press through a whole elle était crowd tellement pressante et courageuse de passer au travers de la foule. A 12-year-old depended on her parce que les 12 ans passés right now, dépendaient de ce moment-là. She knew that it was not just about her. Elle savait qu'elle n'était pas it juste pour elle. It wasn't by accident that she was bleeding for 12 years. Qu'elle était là pendant and 12 ans. Young girl was 12 years old. Et c'est la jeune fille because qui avait 12 ans. Bleeding parce que c'est was son hémorragie. Of the next c'était la guérison de la today nouvelle génération. We commit to interrupt the interruption. Parce que nous sommes le cœur d'une bonne chose.
I didn't say it. The Lord said it. Je ne l'ai pas dit, le Seigneur l'a dit. You are a good thing. Tu es une bonne chose. You are a woman after my own heart. Tu es une femme selon mon cœur. And I made you, and I said you are good. Et tu es bonne. You are a man after my own heart. Tu es un homme après mon cœur. And I made you, and I said you are good. Je t'ai dit que tu es bon. This is why when a man now finds the wife of his youth, he then could say, I have found a good thing. Il dit, j'ai trouvé une bonne chose. We will interrupt the Nous allons interrompre l'interruption. Everything that we have unwittingly embraced, tout ce que nous avons embrassé involontairement, we will interrupt the nous allons interrompre l'interruption. Est-ce que je peux voir rapidement 5 personnes? Really quickly. Rapidement 5 personnes. One left. We will be willing. Step one. Premier pas, nous devons avoir la volonté. Four, so sorry. These four. We will be willing. One. Nous devons d'abord avoir la volonté. Un. We will commit our hearts to be willing. Nous devons engager nos cœurs à avoir la volonté. A broken and a contrite heart. Et d'avoir un cœur contrit et brisé. God will not despise. Et Dieu ne minimisera pas. We will be willing. Nous devons avoir la volonté. His shining light would direct every decision. Et il brise la lumière quand il y a une chose bonne. Ça, c'est la parole. Second, we would truly rediscover who we are. Deuxièmement, nous devons redécouvrir qui nous sommes réellement. Not who we are because of our past. Pas parce que nous sommes à cause de notre passé ou les générations passées ont fait, but who God has said. Mais de ce que Dieu a fait, a dit. Third, we would revive our hearts. Et troisièmement, nous allons ranimer nos cœurs. Where our hearts have been shut down, là où nos cœurs ont été fermés, we would receive the prophecy of God, nous recevons la prophétie de Dieu to again have a heart of flesh, pour encore avoir un cœur de chair rather than a heart of stone. Qu'un cœur de pierre. And then we would reignite passion. Et ensuite, nous allons rallumer la passion. Reignite vision again. Nous allons rallumer la vision encore. To love like God loves. D'aimer comme Dieu aime. And then we will restore. Et ensuite, nous allons restaurer. Here's a strategy that the Lord has given me to give. Voici la stratégie que le Seigneur m'a donnée à vous donner. I want you to everyone get a copy of the book, get a couple copy of the book. Je voudrais que chacun ait une copie du livre. Give it to your friend, your neighbor. Donne à votre voisin, à votre ami. Let us do this intentionally. Faisons ceci intentionnellement. Interrupt the interruption. Pour interrompre l'interruption. The Bible says because of him, the psalmist. La Bible dit à cause de lui. I can run through a troop. Je peux passer au travers d'une troupe. And leap over walls. Et le gagner. Everything in your life has a voice. Toute chose dans ta vie your a une past vie. Has a voice. Ton passé a une vie. It might be very loud. Ça peut être criant. The chair that you're sitting on, Pastor. La chaise sur laquelle tu es assis, has a voice. Pastor, a une voix. Because you heard the chair says, "Sit on me, I will hold you." Parce que tu as entendu la chaise te dire, assis-toi sur moi. Je vais te tenir. Autrement, tu serais englouti. Far beyond what we are aware of. Au-delà de ce que nous everything regardons. And everyone has a voice. Toute chose et toute personne a une voix. This blazer is telling me. Et ce veste I am blue and plaid. Que je suis bleu. Everything has a voice. Chaque chose a une voix. It matters what voice you're listening to. Peu importe ce que tu écoutes. La voix sur laquelle tu écoutes. Ou la voix que tu and écoutes. So here's what the Bible says. Et voilà ce que la Bible dit. I mean to do good, quand je veux faire du bien. But evil present itself, mais le mal vient. I'm going to leap over every voice je dois monter sur toute voix. I'm going to love. Je dois aimer. Easy to remember. Facile I'm à going to leap je dois over every voice of entrapment. D'interruption. Because in fact, the parce past que le fait, le passé has entrapped us nous a interrompus by the very words of our lips, par the les Bible paroles said. Même de nos propres bouches. And we have come to accept the et nous sommes venus accepter ce qui n'est pas normal. Today, comme normal. Would you stand with me? Aujourd'hui, si on peut se lever stand avec me. Moi. We're making a commitment et nous faisons un engagement à Dieu encore to aujourd'hui leap over every de sauter contre toute entrapment. Voix d'interruption. Alléluia. Lift your hands with me. Si on peut lever nos mains. I commit to love. Je m'engage à aimer. I commit to leap over every voice. Je m'engage à sauter, à écraser toute autre voix. I commit to love.
Je m'engage à aimer. I commit to leap over every voice of interruption. Je m'engage à sauter toute voix d'interruption. I will see the good of God Je reçois in my le neighbor. Bien de Dieu dans ma vie. I will see the good of God in my friend. Je reçois le bon de Dieu I dans will mon see ami. The good of God in my wife. Je veux voir le bon de Dieu I dans ma femme. I will see the good of God in my husband. Je veux voir le bien de Dieu dans mon mari. I commit to being a channel. Et je m'engage à être for generations to come pour les générations à venir as the heart comme le cœur of a good thing. D'une bonne chose. You are blessed. Vous êtes bénis in Jesus au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quelqu'un acclame pour le roi de gloire. If you can clap for the Lord. Quelqu'un acclame pour Jésus. Somebody can oh, clap for the Lord. Quel Dieu nous servons. Nous the allons lever ensemble, s'il vous plaît, restez debout. If we can Alléluia, il est digne de gloire. He's worthy of glory. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci. Father, thank you, Lord. Merci pour ces temps merveilleux que nous avons passé dans thank ta présence. Thank you for this wonderful time spent in your presence. Oh, merci pour ces messages. Thank you for this message, que tu nous rappelles que Seigneur, you're reminding us, Lord, nous sommes Seigneur au Dieu de ciel. That we are, oh Lord, important pour toi. Important for you. Nous sommes importants pour toi. We are important for le you. Le cœur de bonnes choses. The heart of a good thing. Nous ne sommes pas créés par hasard. We are not created by nous hazard. Nous ne sommes pas Seigneur au Dieu, papa des victimes. We are not victims. Nous ne sommes pas des parasites. We are not parasites. Nous sommes créés, papa. We have been created, comme Lord, de bonnes choses. As a good thing. Nous élevons nos mains ensemble. We lift our hands up together. Nous rendons grâce à ce Dieu qui nous and a créés. We thank this God who has called us. Le diable nous dit autre. The devil is speaking le otherwise. Le monde nous dit autre. The world is speaking otherwise. Ce qui nous entoure nous dit autre. Who are around us speaking otherwise. Nous entendons d'autres voix qui nous disent. And we are hearing other voices. Nous ne sommes pas importants. We are not important. Mais ce matin, tu vas and dire à Dieu. This morning you said merci to the Lord. Merci de ce que tu m'as fait. Thank you for being made me merci the way I am. Merci de ce que tu m'as donné, papa. Thank you what you have given me, oh, Lord. Oh, ce que tu as fait de moi. What you have done for me. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Merci pour ton peuple. Thank you for your people, Lord. Merci pour ton église. Thank you for your church. Merci pour ta servante. Thank you for your servant. Qui est obéissante à ta parole. Who obeyed your word. Qui a écouté ta parole, who papa. Listened to your word. Oh, Seigneur, ce matin. This morning, Lord. Nous venons ensemble, bien-aimés. Nous allons prier un peu et nous allons conclure la prière. And then we conclude the prayer. Nous allons nous élever contre tout ce qui interrompt. We stand against whatever is interrupting. Tout ce qui est en train d'interrompre. Whatever is interrupting. Oh, le processus de la bénédiction. The process of blessings. Tout ce qui est en train d'interrompre. Whatever is interrupting. Notre joie de servir Dieu. Our joy of serving notre, God. Notre zèle de servir Dieu. The zeal to nous serve God. Nous allons nous élever contre tout esprit d'interruption. We stand against any spirit of interruption. Tout esprit qui vient d'interrompre. Any spirit that is interrupting what God has ordained to happen in our lives, the order of blessings, the order of blessings of peace in our lives, whatever God has done in your life, we'll stand all together, beloved, and we break any spirit of interruption. It is the anointing that breaks the yoke. You pray with me today. You start breaking any spirit that is coming to interrupt the way, the path of your success. Dans ta vie. The success, la joie success, dans ta vie. The peace in your life. La soumission dans ta vie. And submission le bonheur in your life. Enfants. And the happiness le of your children. Ton mariage. The happiness in your marriage. Nous allons nous lever prier pour we stand up together and pray, beloved. Everyone will interrupt the interruption. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Si c'était toi, j'allais prier. If I was you, j'allais dire prayer, à Dieu aujourd'hui. Can I say to the Lord today? Je refuse toutes sortes d'interruptions. I refuse whatever interruption. Sur le processus de mon succès. On the process of my success. Chaque fois que je vais monter, anytime I want to go up, il y a quelque chose qui vient interrompre. There is something interrupting me. Chaque fois que je vais exceller, anytime I want to exceed, il y a quelque chose qui vient interrompre. Something is interrupting. Chaque fois que je vais avancer, anytime I want to advance, il y a quelque chose qui vient interrompre. There is something coming si to interrupt. Ce matin, if I was you today, je vais me poser contre tout esprit. I will stand against any spirit qui vient interrompre. That is coming
me to interrupt. What God has laid on my ways. And the good happiness of my children. In my heart, house is suffering. Your children are suffering. In a tough situation. And he said this morning, Lord, by faith, under the anointing of the Holy Spirit, I'm opposing against any interruption. In the name of Jesus. Hallelujah. Father, anytime I want to advance, any spirit of interruption is coming to see what you have given me, and take the desire of man, and take ourselves out, whatever is coming to destroy, and interrupt from your heart, to the satanic interruption, to the demonic interruption, interruption in the spiritual world, against the process of blessings, against my marriage, against my children. An interruption from your culture. I oppose it again. I refuse an interruption. In the devil in my life. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Pour ton amour. For your love. Aujourd'hui, par toi. Today by faith, Lord. Sous l'onction du Saint-Esprit. And under the anointing of the Holy Spirit. Toute interruption démoniaque. Any demonic interruption. Contre le cycle des ténèbres. Against the cycle of life of idiots. Ça s'arrête aujourd'hui, Père. Stops today. Les interruptions occultes. Any occult interruption. Qui vient soutirer le peuple. That's come to take away souls. Le peuple. To steal from the people. Distraire le peuple. To steal from the people. Le peuple. To destroy people. Bloquer les finances. To block finances. Bloquer la prospérité. To block prosperity. Bloquer la croissance. To block growth. Bloquer l'amour. To block love. To interrupt any occult disruption in the spiritual realm. I stop it to the Lord. I faith, Lord. Comme Joshua. Stop the sun. I interrupt any interruption. I suspend any interruption in the occult world. In the name of Jesus. Merci pour la victoire. Thank you for the victory, Lord. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Bénis ta servante. Bless your servant woman. Et ton serviteur. And your servant man. Bénis leur maison, Seigneur. Bless their household. Bénis leur ministère, Papa. Bless the ministry. Ouvre-les encore. Anointing them again, continue Lord. Continue à ouvrir les yeux, Seigneur. And keep on opening their de eyes. De voir ce que tu as planifié. So that they may see what you have planned. Bénis ton peuple, Seigneur. Bless your people, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Thank you for your patience. Nous allons nous préparer pour les offrandes. So we get ready for the offerings. Pendant que la servante de Dieu s'approche. Hallelujah. Nous allons donner le meilleur de nous. We'll give the best of ourselves. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Our tithes and offerings. La Bible dit, donnez vous sera donné. The Bible says, give it shall be given unto you. Amen. J'espère qu'on a tous été bénis par la parole de ce matin. I hope that we all been blessed by the word that has released this morning. Je voulais juste partager quelque chose. Il est écrit dans Proverbe 18. I just want to share a verse, Proverbs 19. À partir du verset 20 jusqu'au verset 21. From 20, verse 20 to 21. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Ce que j'ai compris de ce qui s'est passé ce matin, c'est que les paroles d'affirmation what sont I très importantes. What I understood from what has happened this morning that affirming the word of affirmation are very important. Sont très importantes. We have to be mindful. Nous devons être alertes ou au courant of the words that come out of our mouths. Des paroles qui sortent de nos bouches. You can either bless someone. Vous pouvez bénir quelqu'un. Or curse someone. Ou maudire quelqu'un. Choose wisely. Alors, choisissons sagement. Alors qu'on s'approche pour nos offrandes. As we're coming forward for our offerings. Donnons avec un cœur joyeux. Let's give with a joyful heart. Car Dieu aime celui qui donne avec un cœur de joie. Because God likes those who come with a joyful heart. Amen. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Il a payé pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi je veux le célébrer. Je veux louer, 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 louer. Je veux louer mon Dieu, je veux louer mon Dieu.
Dieu, ta vie m'a sauvé et m'a délivré. Voilà pourquoi je l'adore, voilà pourquoi je l'acclame. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Il a payé pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi je peux le célébrer. Oh, louer, louer, mon Dieu, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Dieu, je veux louer mon Dieu, ta vie m'a sauvé, elle m'a délivré. Voilà pourquoi je l'attends, voilà pourquoi je l'acclame. Je veux louer, je veux louer. Amen. Amen. Donc, on va passer aux annonces de la semaine. So for our weekly communication or announcement, sorry. Donc, le thème de notre année. So the theme of our year. C'est d'être fort et courageux. To be strength, to be bold and courageous. Basé sur Josué 1:9. From Joshua 1:9. Donc, voici les annonces de cette semaine. Donc, les mardis, nous avons l'étude biblique en ligne à partir de 19h. So, every Tuesday, there will be an online Bible study from 7 p.m. Mais les portes de l'église sont toujours ouvertes pour ceux qui voudraient assister en personne. Doors are open for those who would like to come. Les jeudis, nous avons notre service de prière de 19h à 21h. And on Thursday, we have our intercession service from 7 to 9 p.m. Les samedis, nous avons la répétition de musique pour les enfants à partir de 13h. And on Saturday, we have the kids practice from 10 a.m. Sauf les derniers samedis du mois. Except the last Sunday of the month. I mean, Saturday of the month. Et les dimanches, nous avons notre service dominical à partir de 10h. And on Sunday, we have our service from 10 a.m. Donc, je voudrais juste rappeler à tous et chacun and just as a reminder, que ce soir, nous avons notre célébration de l'amour. That tonight we're celebrating love. On invite tout le monde à venir participer. Everyone is invited. Si vous n'avez pas encore vos billets, est-ce que vous pouvez toujours voir la sœur Sandrine? You can still purchase your ticket. Au coût de $25. And it is $25 per person. On a aussi la conférence pour les jeunes qui arrive le 23 février, donc la semaine prochaine, le samedi prochain. Next Saturday, the 23rd, we have the youth conference. Donc, si vous avez un adolescent à la maison, if you have a youth, on vous encourage à l'inscrire. We encourage you to subscribe. Vous pouvez toujours voir register, sorry. Sœur Corinne. You can see Minister Corinne. Si vous n'avez pas d'adolescent, and if you don't have a youth, on vous encourage à sponsoriser un jeune. We encourage you to sponsor a youth. Si quelqu'un n'a pas encore été baptisé, and for baptism, if someone is looking to get baptized, vous pouvez toujours voir l'aîné Rachid. Please see Papa Rachid. Et à chaque fin de service, on vend les CD du service dominical. And all the CDs and DVDs have been sold. See the VIP team at the back. Donc, c'était tout pour les annonces de cette semaine. And that was it for the announcement of the week. Merci. Thank you. Amen. Nous avons le panier ici. Nous allons faire l'offrande du prophète. We have the basket here, and we're going to make a prophet offering. Amen. Nous allons honorer les serviteurs que nous avons reçus dans la maison de Dieu. We're going to honor our guest speaker. Amen. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux. Ce que
je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux louer, 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 je veux louer mon Dieu, je veux louer mon Dieu. L'ami m'a sauvé, m'a délivré. Voilà pourquoi je l'attends, voilà pourquoi je la crains. Je veux louer, ce que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Ce que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Il a payé pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi je veux le célébrer. Oh, louer, louer, mon Dieu, je veux louer, je veux louer. Je veux louer. Je veux louer mon Dieu, je veux louer mon Dieu. Paris m'a sauvé, m'a délivré. Voilà pourquoi je l'attends, voilà pourquoi je l'acclame. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Louez-moi. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Brûle en moi, 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 fais descendre ton esprit, fais descendre ta grâce, fais descendre ton onction, fais descendre ta grâce, attention, l'esprit de Dieu est descendu. L'onction de Dieu est arrivée. Tout le monde recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez la grâce. Recevez, attention.